Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment activer le menu hamburger avec Breezy lorsque vous utilisez donc un menu dans votre page. Donc je ne parle pas du menu de votre thème, mais bien un menu affiché via Breezy. Donc là sur l'exemple, vous avez tout en haut le menu du thème, donc c'est pas ça que ça concerne, mais par contre un menu que j'ai ajouté dans Breezy, menu que j'ai ajouté comme n'importe quel élément. Et à partir d'ici, menu. Si je glisse, on va avoir le même menu. Hop. Voilà. Bon, sauf que là, il faut sélectionner un menu différent. Voilà. Réglage. Non, c'est pas celui-ci. On va y arriver. Voilà. Menu pied de page, donc principal, vous voyez, c'est exactement le même. Donc je le supprime. Je supprime la colonne également. Voilà, pour retrouver mon menu à la base. Donc par défaut, le menu WordPress que vous affichez via Breezy est un menu traditionnel. C'est-à-dire que si vous le laissez tel quel, lorsque vous allez visiter votre site, enfin ou la page en question sur smartphone, vous allez avoir l'affichage du menu tel qu'il est actuellement. D'ailleurs, pour vérifier, il vous suffit de cliquer ici sur la vue mobile. Vous voyez qu'on a bien notre menu qui s'affiche de façon normale et non pas hamburger comme le menu du thème. Donc, une fois que vous avez créé, paramétré votre menu ici, faites pas attention aux couleurs, hein, j'ai mis exprès une couleur qui ressort afin que vous puissiez bien voir la différence avec le restant du contenu. Donc une fois que vous avez créé et paramétré votre menu ici, donc pour activer le menu hamburger, vous allez vous passer ici sur mobile. Voilà. Et donc là, vous cliquez à nouveau sur votre menu et vous cliquez sur settings. Et ici, tout en haut, vous avez toggle menu, donc basculer le menu. Voilà. Et automatiquement, ça vous active le menu hamburger. N'oubliez pas de cliquer sur mettre à jour et vous pouvez ensuite vérifier sur votre smartphone et vous verrez que le menu hamburger s'affiche à la place du menu comme on a sur une vue ordinateur comme ici. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel. N'hésitez pas à le partager, à le liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao!